Anthony, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général France de Facebook. Facebook qui travaille aussi avec les entrepreneurs, avec les TPE, les PME. Mais surtout avec les entrepreneurs. 1 million de TPE, PME sur Facebook. Oui, il y a désormais 1 million de TPE et de PME en France qui ont une page Facebook. C'est un tiers de ce réseau d'entreprises. Donc évidemment, c'est un chiffre très important pour nous. C'est un cap symbolique. Qu'est-ce qu'elles font sur ces pages Facebook ? Elles font beaucoup de choses sur leur page. D'abord, elles communiquent sur leur existence. Ensuite, sur leurs produits ou leurs services. Et puis, elles ont tout un tas d'outils à leur disposition pour parler aux bonnes personnes avec le bon contenu. Quand vous êtes, par exemple, un restaurant dans la région ou l'agglomération nantaise, bah, vous pouvez cibler les personnes qui peuvent venir dans votre restaurant dans un rayon seulement d'un kilomètre. Vous pouvez, si vous vous développez ou vous vendez en ligne des meubles d'enfants, c'est une PME qui travaille avec nous à Lyon depuis longtemps, utiliser l'audience de Facebook. 30 millions de Français utilisent Facebook. Et ça génère du revenu. Vendre vos meubles d'enfants, renvoyer du trafic sur votre site. Donc, vous pouvez faire énormément de choses. La base de cela, c'est l'innovation. On produit évidemment beaucoup d'innovation, de produits, de marketing pour les entreprises et l'audience. Du revenu. Pardon ? Les TPE, PME font du revenu avec Facebook. Bien sûr. Et notre travail, c'est de les aider à développer leur audience digitale, leur audience sur Facebook. Et pour celles dont c'est l'objectif, générer du trafic et générer du revenu. Absolument. C'est notre mission. Pour les startups françaises, Facebook se veut aussi un acteur de l'écosystème, comme tout grand groupe numérique. Vous avez un programme Fast Forward, de quoi oui. Il s'agit ? D'abord, Facebook, dont on va fêter les 12 ans demain, reste une startup. En tout cas, elle le reste dans l'esprit. Et depuis de nombreuses années, Facebook en France, dans notre pays, travaille avec les jeunes startups. Nous connaissons tous le succès de BlaBlaCar. Mais BlaBlaCar, il y a 6 ans, c'était une petite entreprise, quelques personnes à peine. Nous avons été un des premiers partenaires de BlaBlaCar. Et la France connaît énormément de succès de son écosystème digital. Donc depuis quelques mois, on a mieux formalisé les relations avec l'écosystème digital, avec les startups. Notre objectif, c'est de trouver les prochains BlaBlaCar et d'en faire des succès, pas seulement en France, mais à l'international. On travaille avec les fonds d'investissement, avec les structures qui accompagnent les startups. On les sélectionne. Et on va les prendre dans une tutelle extrêmement resserrée pendant plusieurs mois pour en faire, si possible, de très grands succès. On a beaucoup de jeunes startups françaises qui sont très, très prometteuses. Facebook lance dans le monde entier un réseau social d'entreprise, Facebook at Work. Alors, on pense beaucoup aux grandes sociétés qui ont besoin de se connecter entre différentes unités. Mm-hmm. Est-ce que pour les PME, les TPE, Facebook at Work est aussi un outil ? Oui, il y a d'ailleurs de jeunes startups françaises qui sont des PME. Qui l'utilisent, My Little Paris, auféminin.com, qui est une grande entreprise, qui a déjà depuis quelques semaines ou quelques mois Facebook at Work. Facebook at Work, c'est l'application de Facebook que vous connaissez en interne de l'entreprise. Parce que les entreprises se sont rendues compte, d'abord, que leurs salariés étaient de plus en plus connectés et qu'il y avait un fossé assez étrange à avoir dans sa vie privée des outils de communication, de connexion extrêmement simples, très mobiles, et d'avoir en interne de l'entreprise des outils qui devenaient de plus en plus archaïques dans la circulation de l'information. Et le deuxième élément, c'est que ce sont des outils Facebook pour l'entreprise de performance. Plus l'information circule vite, plus la fluidité est assurée, plus la mobilité est assurée. Vous avez beaucoup d'entreprises dont les forces commerciales et énormément de salariés sont des gens mobiles. Facebook at Work comme Facebook est mobile. Et cet outil qui est en train de se développer puissamment en France et en Europe et dans le reste du monde, apporte toutes les fonctionnalités, toutes les innovations de Facebook dans le monde de l'entreprise. Avec un atout formidable, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de sessions de formation parce que tous vos collaborateurs utilisent Facebook. Donc, c'est un outil qui s'est développé dans beaucoup d'entreprises françaises. Vous connaissez Club Med, le groupe Lagardère, Century 21, les entreprises digitales que j'ai citées et qui, je pense, va avoir beaucoup, beaucoup de succès parce que apporter dans la vie du quotidien des entreprises les fonctionnalités du réseau social Facebook, c'est un atout. Et ce qui est un atout très pour bien. Les entreprises en interne est un atout pour leur compétitivité. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.